L'ordre du jour appelle la question orale numéro 425 de Monsieur André Richard à Monsieur le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Les chiffres du chômage au niveau national au mois de mars dernier sont à nouveau mauvais plus 36 900 chômeurs, soit une augmentation de 1,2 nous arrivons aujourd'hui à une augmentation de 11,5 sur un an, soit un taux de chômage de 10,6 en France. En Alsace, la situation n'est pas meilleure loin s'en faut. Dans notre région, Monsieur le Ministre, qui avait il y a peu, vous le savez certainement, le plus faible taux de chômage de France, nous comptons aujourd'hui 90 900 chômeurs, soit près du double du double de la fin des années 90. En un an, la hausse du chômage y a été de 12,6%, soit plus d'un point de plus que le pourcentage national que je citais tout à l'heure. Les seniors et les jeunes sont les catégories les plus touchées, c'est fréquent. Les plus de 50 ans ont vu leur taux de chômage grimper de 2,5% le mois dernier, de 18,6% en un an. Du coup, le nombre de bénéficiaires du RSA s'accroît. Aujourd'hui en Alsace, près d'un chômeur sur cinq touche le revenu de solidarité active. Un sur cinq. La situation ne semble pas prête à s'améliorer puisque les offres collectées par Pôle emploi dans la région ont encore une fois chuté sur les trois derniers mois. Et c'est le Haut-Rhin notamment qui est plus particulièrement touché, lui qui est frappé de plein fouet par la désindustrialisation, avec une nouvelle vague de suppression de postes et de restructuration dans la région colmarienne particulièrement. L'emploi industriel. Il est particulièrement à la peine, surtout dans les grosses structures. Mais les TPE, comme on dit, en Alsace comme au niveau national, ne sont pas très bien lotis non plus. Leur croissance a été quasi nulle en 2012 et près de la moitié ont enregistré une baisse de leurs ventes. Seuls 7 des TPE prévoient de recruter cette année. La principale difficulté, recensée et ce n'est naturellement pas un scoop, concerne la compétitivité insuffisante de nos entreprises. Votre gouvernement, Monsieur le ministre, a, pris, a mis en place diverses initiatives qui ont pour but de permettre à celles ci de retrouver la compétitivité souhaitée, force est malheureusement de constater que celles ci ne permettent pas de renverser la tendance. À titre particulier, dans le secteur du bâtiment, les mesures annoncées par le président en, facteur, en faveur du logement social et de la rénovation énergétique sont insuffisantes et ne produisent pas l'élan nécessaire. Dans ce domaine, je souhaite évoquer deux leviers essentiels à la reprise d'activité d'une part, la TVA 55 pour la rénovation des logements et d'autre part ce que la CAPEB appelle la lutte pour la moralisation de la vie économique au travers de l'assainissement du régime des auto-entrepreneurs. Votre gouvernement a encore toute possibilité monsieur le ministre d'appliquer au 1er janvier 2014 la TVA 5 sur la rénovation des logements et pas uniquement sur les travaux d'économie d'énergie, faites-le. Je souhaite également attirer votre attention sur la diminution majeure de la production de prêts bancaires à titre d'exemple, d'après des données fournies par une grande banque alsacienne par rapport à mars 2012, les crédits à la consommation ont chuté 11,9% en un an et les crédits immobiliers 22%. Cette baisse significative est inquiétante. Face à tout cela, pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, quelles nouvelles mesures vous pouvez, vous comptez mettre en œuvre et le plus rapidement possible pour indiquer le fléau que constitue le chômage Merci. Merci, mon cher collègue, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le, le Sénateur, le tableau très sombre que vous avez dressé correspond malheureusement à l'exacte réalité pour la nation comme pour votre département et votre région. Cet état de fait est le résultat d'une dégradation, vous l'avez dit, de la compétitivité française, qui est ancienne et continue, qui nous a conduit à un commerce extérieur que vous savez éminemment déficitaire, à une augmentation du chômage un million dans les cinq années qui viennent de se passer, la continuation à la dégradation en même temps de nos comptes publics bref des indicateurs en tout point inquiétants qui durent depuis des années. En effet, le gouvernement a décidé cela pourrait il lui coûter un instant une certaine forme bien entendu de popularité de prendre très sérieusement en compte ces différents éléments structurels difficiles, par la maîtrise des déficits publics, par la mise en œuvre d'un accès au crédit avec la Banque publique d'investissement, vous l'avez évoqué vous-même, par la mise en place de mesures qui n'ont pas encore produit, c'est vrai, leur plein effet, je pense aux contrats de génération, je pense aux emplois d'avenir, en s'attaquant donc à un certain nombre de réformes structurelles, et en particulier le fameux coût du travail, il faut appeler les choses telles qu'elles sont, facteur clé de la compétitivité car c'est bien ce gouvernement qui a suivi les recommandations du rapport Gallois. On peut toujours trouver, c'est le cas du président de la République, c'est le vôtre, que les choses ne vont pas assez vite, mais ces dispositifs sont maintenant actés comme la réforme du marché du travail, qui, sans doute, donne plus de sécurité mais aussi plus de flexibilité aux entreprises pour que l'emploi des salariés ne soit pas en permanence la variable d'ajustement et que, dans la période très difficile que nous traversons, les entreprises puissent s'adapter. Vous savez que toutes ces mesures ont été prises en peu de temps. D'autres sont annoncées, puisque vous le demandez. Je pense par exemple à la réforme de la formation professionnelle, qui est tellement insatisfaisante. Au moyen, 2000 emplois que le Premier ministre vient de donner en plus pour que Pôle emploi puisse accompagner nos demandeurs d'emploi dans la recherche d'un travail et dans la formation et la qualification. Toutes ces mesures doivent concourir. À la reprise, elle doit faciliter le travail des entreprises, améliorer leur compétitivité, mieux former nos salariés, sans que nous ayons dégradé en rien les mécanismes vous le savez et même au contraire pour le RSA les mécanismes d'assistance pour ceux qui, malheureusement, sont touchés par ces éléments très difficiles. Maintenant, cette action doit se poursuivre dans la durée elle aura, si nécessaire le président de la République l'a dit, à s'accentuer. Car il y a là pour nous tous un défi considérable. C'est il y a plus de 20 ans qu'une communication avait été faite sur la préférence française pour le chômage. Nous n'avons pas démenti, et combien de faibles croissances ces dernières années avec de la croissance à taux zéro. Nous n'avons malheureusement pas démenti à travers les alternances cette préférence. Le temps est venu, c'est ce que nous appelons le redressement de la France. Nous avons besoin de toutes les énergies pour le conduire. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Richard. Monsieur le ministre, je ne vous surprendrai pas en vous disant que votre réponse ne me satisfait pas. Vous me citez euh, la boîte à outils, euh, pour reprendre l'expression euh, du président de la République. Malheureusement, euh, je connais cette boîte à outils et vous, vous l'avez reconnu vous-même, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne produit pas ses, ses, ses effets. Pour une raison, à mon sens majeur, c'est qu'elle est faite pour accompagner une croissance. Et non pas pour la susciter. Et ce dont nous avons besoin, c'est vraiment de mesures suscitant cette croissance. En Alsace, particulièrement, Monsieur le ministre, et je vous remercie de l'avoir prise en compte, nous sommes en compétition économique avec des régions économiquement énormes et très fortes. Je vise le bas d'Urtemberg je vise les cantons du nord-ouest de la Suisse. Vraiment, ce sont vraiment des locomotives, respectivement, de l'Allemagne et de la Suisse. Et dans ces conditions-là, chaque jour qui passe est un jour perdu pour la compétitivité de nos entreprises. Je peux vous le garantir, l'assurer. Je voudrais vous dire aussi que le crédit impôt compétitivité ne profitant pas à cette masse de petites entreprises individuelles, puisque naturellement pour pouvoir en bénéficier il faut payer des salaires, ce que les entreprises individuelles ne font pas, c'est pour l'Alsace, qui a un tissu très développé de ce qu'on appelle ces, ces TPE, c'est une vraie catastrophe parce que celles-ci sont vraiment dépourvues. Je voudrais, Monsieur le Ministre, je vous assure, en dehors de toute polémique, vraiment... Euh vous priez de bien vouloir relayer au plus haut niveau ces inquiétudes alsaciennes. Je le répète, nous ne sommes pas une région comme une autre. Nous sommes en compétition avec des entreprises qui, de l'autre côté, laminent la compétition à l'heure actuelle. Et pour nous, c'est véritablement une situation dramatique que celle que nous vivons à l'heure actuelle. Je voudrais que vous en preniez conscience. Merci, mon cher collègue.